Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On continue notre série Métamorphose et cette semaine, on va vous parler d'un homme qui était franchement à la recherche, vraiment à la recherche de la vérité, au point de faire des démarches personnelles pour connaître et comprendre la vérité. Martin, je te salue. Salut François. Écoute, Martin, on aime ça, la vérité. Il n'y a personne qui a envie que les gens mentent autour d'eux. Mmh. On a ce désir-là que nos proches nous disent la vérité. On ne voudrait pas que les gouvernements nous mentent. Et puis, à plus forte raison, nos conjoints, conjointes, ouais. On perd confiance carrément si on ne vit pas dans la vérité, qu'on ne dit pas la vérité. Alors, spirituellement, c'est un peu la même chose. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent et qui disent, moi, là, ça me tente de croire à des bêtises, à des mensonges. Tu sais, on veut la vérité. Même ceux qui ne croient pas en Dieu cherchent la vérité. J'ai un de mes amis, moi, qui était chrétien avec moi, puis on faisait même de l'évangélisation ensemble. Puis un jour, j'ai appris qu'il a abandonné la foi, qu'il est devenu agnostique. Et là, je me suis interrogé, j'y ai écrit, puis j'ai dit, hey, j'aimerais ça parler avec toi. Puis en jasant avec lui, il m'a expliqué. Puis à la fin, je lui ai dit, est-ce que je peux continuer de prier pour toi? Et il m'a répondu, bien sûr. Je suis toujours à la recherche de la vérité. Mm. Là, il est dans des lectures un peu plus philosophiques, puis c'est ça qui va former sa pensée, sa vision du monde. Mm. Ben, il pourrait dire la même chose de moi. Moi, ben, je suis dans mes lectures théologiques, je lis la parole, mais on est tous hein, influencés quelque part par ce qu'on lit, par ce qu'on regarde, par ce qu'on écoute. C'est clair, on est tous influencés. Écoute, moi, là, j'ai déjà une discussion avec quelqu'un, puis son propos m'a fait reconnaître la radio qu'il écoutait, des radios un peu controversées dans la région de Québec, et puis j'ai reconnu quel poste il écoutait, puis il m'a dit oui. Alors, nous, on a posé la question aux gens, à savoir, quel livre, quelle lecture vous a influencé, vous a marqué? Un livre, entre autres, qui m'a frappé, c'était « L'enfant intérieur en soi ». Et ça m'a fait prendre conscience que j'ai toujours cet enfant-là en moi. Puis c'est un enfant qu'on a, on dirait qu'avec les âges, on l'enfouit, puis il devient un adolescent, un adulte, il est responsable. Mais il est toujours là, cet enfant-là, puis il est à découvrir parce que quand on a souvent vécu une enfance heureuse, bien, on a intérêt à aller fouiller là-dedans. Bien, la conférence de M. Guy Corneau, qui est décédé aujourd'hui, j'avais été voir une conférence, ça fait très longtemps, ça m'avait beaucoup, beaucoup ému et beaucoup frappé, oui. C'est le monstre des grandes falaises. Moi, de mon côté, justement, j'y vivais une situation assez difficile. Quand j'ai lu ce livre-là, je me suis décidée justement à bouger et qu'il fallait que j'arrête de vivre cette situation. Le Petit Prince, évidemment, comme bien des gens, que j'ai relu. Je l'ai lu quand j'étais adolescente. Ensuite, je l'ai relu dans la vingtaine, dans la trentaine, dans la quarantaine. À chaque fois que je lisais ce livre-là, je lisais différemment. C'était comme une autre histoire. Puis je me disais, mon Dieu, là, je faisais... Tu sais, je me disais, hey, on évolue finalement. Puis ce livre-là, il transcende Bien, le temps, c'est ce qui me vient en premier. C'est le livre d'Dalaï Lama, je pense que c'est L'Art du bonheur, où il était en entrevue avec un psychiatre, je pense, puis il avait arrêté la personne, puis il avait dit, êtes-vous en train de me dire que les Occidentaux ne s'aiment pas eux-mêmes? Pour lui, c'était quelque chose de complètement qui n'existe pas dans sa culture. Tu peux pas ne pas t'aimer toi-même pour pouvoir aimer les autres. Mais ça m'avait fait beaucoup réfléchir que le mot sacrifice n'existe pas dans leur culture. Martin? Bien, ce que je trouve intéressant, c'est que chacun nous dit que leur lecture, ou bon, une madame, c'est une conférence, a touché une corde sensible. Hein. Il y a le monsieur au début qui il a lu le livre « L'enfant intérieur en nous », ça lui a rappelé que justement, il y a un enfant qui est toujours là. La conférence qui est venue la chercher. L'autre qui a eu le monstre d'Ingrid, Falaise, qui est venu l'aider à sortir d'une situation, d'une relation qui était difficile. Quand les lectures connectent avec nous, on a l'impression que l'auteur nous parle. Ça vient vraiment nous parler. Puis la parole de Dieu, là, elle fait ça. J'ai tellement souvent entendu des gens dire, « Hey, j'ai lu l'Évangile de Jean. » Puis j'ai dit, « Coudonc, j'avais l'impression qu'il me parlait. » Mais c'est la parole de Dieu et Dieu parle. Et moi, j'invite les gens à la lire parce que Dieu veut nous parler.
Absolument. Écoute, je trouve ça génial parce que Dieu se révèle. Écoute, il y a deux sources essentielles par lesquelles Dieu se révèle. Le Saint-Esprit qui applique la parole de Dieu en nous. Lorsqu'on la lit, comme tu dis, elle devient comme... C'est comme si c'est Dieu lui-même qui nous parlait à nous personnellement. Et il y a des fois, il y a des gens qui sont aidés, guidés, nous, à l'heure de la bonne nouvelle, puis d'une autre façon, on guide les gens, on essaie de conduire les gens au cœur de l'Évangile, au cœur du message des Écritures. Et restez avec nous parce qu'après la pause, je reçois Jean-François Moquin qui va justement nous parler de ces deux volets que la façon que Dieu veut et peut se révéler. Le grec, à l'époque, n'avait pas de ponctuation. Il n'y avait pas d'espace, il n'y avait pas de point, il n'y avait pas de virgule, il n'y avait rien. OK, puis donc, pour être capable de comprendre ce que tu es en train de lire, il fallait que tu lises à haute voix. Pour vrai, là, je veux dire, on lit ça, puis c'est clair qu'on est en train de parler de Jésus. Mais il était en train de parler de Jésus au futur. Et là, le casse-tête s'assemble devant l'Éthiopien. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.